Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir, malgré un temps, il faut bien le dire, que je ne qualifierais pas de breton, parce qu'il peut faire très très beau chez nous quand même, je tiens à le souligner, d'autant qu'il y a des gens qui vont nous regarder sur Internet à partir de la semaine prochaine, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'il pleut toujours en Bretagne, selon la mauvaise réputation que l'on nous fait, ce qui est évidemment totalement faux. Surtout en ce moment. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Bonne année à tous, puisque j'ai le plaisir de redémarrer ces conférences, ces mardis de l'espace des sciences, avec en plus un Rennais. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Anatole Lécuyer ce soir pour la première fois ici à l'espace des sciences, dans nos mardis de l'espace des sciences. Notre programme est paru. Hein, vous avez là tout le détail de ce qui se fait bien sûr ailleurs, au Labo de Merlin, au Planétarium, dans nos différentes salles d'exposition. Et puis vous avez aussi le détail de toutes nos conférences jusqu'au mois de mars. Et j'en profite juste pour vous dire aussi que nous avions été obligés d'annuler la conférence d'Étienne Klein au mois de novembre pour des problèmes de circulation, on va dire. Et donc il a accepté de revenir et il sera avec nous au mois d'avril, le 28 avril, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc c'est un vrai plaisir pour moi, Anatole, de commencer cette nouvelle saison des Mardis de l'Espace des Sciences. Je crois qu'on en est à combien d'années là maintenant, Michel? Tu sais compter, toi? C'est toi le directeur de l'Espace des Sciences, donc forcément tu sais compter. Non, non. Ah oui, 34 ans, l'Espace des Sciences existe depuis 34 ans, mais les conférences ici à l'espace, au Champ Libre, 13 ans. Et nous avons la chance d'avoir un public très, très fidèle. Alors, notre cerveau est un super-héros. Eh bien ça, je me suis dit que pour une fois, il y avait une bonne nouvelle en ce début d'année et ça m'a fait bien plaisir. En plus, j'ai eu un plaisir fou à lire ce livre dont le sous-titre est « Quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées ». Il est paru chez Human Science, qui est un gage d'ailleurs, cette maison d'édition, de qualité, je trouve. Et voilà, je vais vous inciter à le lire, même si ce soir vous allez découvrir beaucoup de choses que l'on trouve aussi dans le livre, mais d'une autre façon. Et là, vous allez avoir la chance d'avoir des images et des images qui bougent en plus. Alors, Anatole Lécuyer, vous êtes directeur de recherche chez INRIA Rennes, institut de recherche dédié aux sciences du numérique. Vous y êtes rentré en octobre 2002 et dans ce livre, au début de ce livre, dans l'introduction, vous écrivez « C'est un métier magique, un choix que je n'ai jamais regretté ». Mais avant cela, il y a eu une période un petit peu d'indécision, on peut le dire. C'est un peu ça aussi le parcours d'un scientifique. Vous étiez bon en maths ? Oui. Donc vous avez fait des études de maths. Oui. Maths sup, maths sp. Voilà. Direction école d'ingénieur. Voilà, ouais. Alors bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Juste un petit mot pour vous remercier aussi d'être venu, d'avoir bravé les éléments bien réels pour assister à cette conférence sur la réalité virtuelle. Là, il faisait vraiment froid, c'était vraiment pluvieux dehors. Et donc, on va essayer de vous réchauffer un petit peu. Mais on a le virtuel cœur, dans le cerveau, voilà, avec cette conférence. Donc oui, mon parcours, effectivement, c'est un parcours ben, finalement peut-être assez classique pour des gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire plus tard quand ils seront grands. Moi, je me suis fait aspirer par des études où j'étais plutôt pas mauvais en maths, effectivement. Et puis du coup, j'ai fait mes classes préparatoires. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. Et puis là, je me suis dit, juste à ce moment-là, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie? J'ai pas envie d'être ingénieur. Et je voulais pas être ingénieur, non. Mais c'est un métier formidable, hein, et j'encourage plein de gens à le faire. Mais j'avais l'impression que c'était pas pour moi à cette époque-là. Et puis là, j'ai compris ce que je voulais faire. Je voulais être dessinateur de bande dessinée. Ouais. Voilà. Ce que vous êtes devenu, d'ailleurs. Enfin, non, non. Pas tout. Alors, à fait. Du coup, c'est pas ce que je suis devenu, effectivement. Et ça, c'est peut-être... Donc, à l'époque, mon père m'a dit, mais quand même, tu devrais peut-être aller au bout de tes études. Il a été bien, votre père, là. Je crois qu'il a bien réagi. Là, je le remercie, hein, papa, si tu nous entends. Merci quand même pour cette sage décision, ce qui m'a permis ensuite, effectivement, d'avoir un parcours qui correspond finalement à ce que j'avais envie de devenir... Quand je refais le film en arrière. Puisque... Mais le fait d'être passionné de bande dessinée, de graphisme, de dessin, ça vous sert aussi, d'une certaine manière, non?
Ça vous a servi pour le choix ? Sans doute, parce que le métier de chercheur, c'est un métier où il faut être créatif, il faut avoir effectivement des idées originales que personne n'a jamais eues, et puis les mener ensuite à bien et jusqu'au bout. Et sans doute que d'avoir voulu être dessinateur de bande dessinée, d'avoir laissé libre cours à l'imagination, ça me sert sans doute aujourd'hui. Et comme Anatole est un gentil garçon, qu'il écoute son papa, ben il a fait son école d'ingénieur à Lille, hein, en 1996. Et c'est cette même année aussi que vous faites un DEA en informatique et automatique industrielle ? C'est ça, oui. Hein ? Alors après, ben, vous allez partir en stage de fin d'études à Vancouver, au Canada, dans un laboratoire universitaire de robotique. Il y a eu un petit déclic, là ? Oui, alors moi j'étais plutôt parti par goût des voyages, en emmenant mes carnets de dessin, puis en apprêtant plutôt à dessiner des belles bandes dessinées. Et puis en fait, dans ce laboratoire de robotique, j'ai commencé à effleurer le sujet de la réalité virtuelle. Et là, je me suis dit que c'était un sujet vraiment intéressant. C'était balbutiant à l'époque, et puis ça mélangeait à la fois mon aspiration pour la science que j'avais quand même, hein, quand j'étais plus jeune, et puis mon goût pour les arts graphiques, cette matière virtuelle avec laquelle on pouvait interagir. Donc j'avais l'impression que là, c'était un univers et puis un domaine dans lequel j'allais pouvoir m'exprimer. Mais il faut quand même dire que tout ça, ben, ce n'est pas tout simple. Hein, on n'y arrive pas. Le chemin a quand même été long. Vous avez fait une incursion dans l'industrie. Vous avez travaillé à partir de 1998 dans une société d'aéronautique, Sextant Avionique, dont vous allez quand même démissionner pour effectuer une thèse chez EADS sur le potentiel des technologies haptique dans le secteur de l'aéronautique. Et là, je vous la fais simple, hein, parce que le titre même de la thèse, on l'a dans le livre, c'est incompréhensible. Hein. Alors, je crois que je ne m'en souviens plus moi-même, mais je peux essayer de m'en... Ça plus c'était compliqué, mieux c'était. Ouais, simulation, contribution à l'étude des retours haptiques et pseudo-haptiques dans les simulations aéronautiques d'opérations de maintenance et de désassemblage, quelque chose comme ça. Même voilà. Lui, il ne s'en rappelle plus vraiment. Non, je ne m'en souviens plus, mais... Et donc, j'essaye, mais je continue à donner à mes doctorants quand même des consignes pour faire des titres de thèse un peu compliqués quand même, malheureusement, mais parce que c'est quand même assez utile ensuite dans les recherches de documents. Ensuite, il y a tous les mots-clés dans le titre, on le trouve plus facilement. Il y a quand même quelque chose dans votre parcours que vous ne racontez pas dans le livre, mais qui me semble intéressant de raconter, surtout à un public d'étudiants, c'est que, contrairement à beaucoup, vous allez obtenir une bourse d'études que vous allez refuser. Parce que ce n'était pas dans oui, le domaine que vous... Oui, ça c'est vrai que c'est assez atypique, ouais. Puisque moi j'avais décroché une bourse de thèse, mais sur un sujet qui ne m'inspirait pas vraiment, et donc du coup j'ai préféré partir dans l'industrie à la recherche d'une autre thèse sur le sujet de la réalité virtuelle, qui n'était pas très... connu à l'époque. Et donc j'ai passé une année à passer des coups de fil pendant mes pauses déjeuner pour essayer de dénicher un laboratoire et une entreprise qui pouvait financer cette recherche sur la réalité virtuelle. Ça, c'est assez original, effectivement. Alors, vous allez enfin pouvoir, vous allez intégrer, donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'INRIA Rennes. Vous allez enfin pouvoir vous consacrer à cette réalité virtuelle qui vous intéresse tellement. Je fais court, vous allez obtenir le prix INRIA, Académie des sciences du jeune chercheur en 2013. Et puis là, vous venez d'obtenir en 2019 un prix scientifique international. Vous vous rappelez de son nom ? Alors celui-là, je m'en souviens parce que je l'ai obtenu en mars dernier, mais c'est le prix, alors attention, c'est le I3E VGTC Technical Achievement Award in Augmented and Virtual Reality. Oui, celui-là, il est un petit... Voilà, je préférais qu'il le dise, hein. Pour vous surtout. Et c'est un prix très, très important parce que je crois que c'est la première fois qu'un Français le recevait en plus. Oui, c'est vrai, c'est un prix qui récompense des travaux de recherche dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc, ouais. On est content d'avoir ramené ce prix en France cette année. Ouais. Alors, vous allez nous parler donc de cette réalité virtuelle, nous prouver que notre cerveau est un super-héros. Alors, moi, je veux bien croire le cerveau de beaucoup d'entre vous, le mien, à mon avis, non. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on apprend énormément de choses en lisant le livre. On va en apprendre beaucoup en écoutant et en regardant cette conférence.
J'ai complètement oublié de vous demander, est-ce que vous la définissez, cette réalité virtuelle, au début de la conférence ou pas ? Je vais en parler un petit peu au début. Ouais. Ouais, parce que donc, c'est important redire un petit peu de quoi il s'agit. Ouais. Et puis après, on reparlera un peu plus à fond de ce qu'il y a dans ce livre, parce que ce que vous allez voir... ici, les images, les illustrations que vous allez voir ici, vous ne les trouvez pas dans le livre. Donc, c'est un plus que vous nous offrez. Et je sais que vous avez travaillé pour préparer cette conférence pour nos mardis de l'espace des sciences. Je vous en suis extrêmement reconnaissante, Jérôme Lécuyer. Anatole. Et alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je suis absolument bluffée par ce livre, parce que d'abord, il est à la portée de tous. Que j'ai commencé à mettre des post-it, puis qu'à un moment je me suis dit mais arrête quoi, parce que j'avais envie de mettre des post-it à chaque page, tellement tiens j'apprends quelque chose. Et ça vraiment c'est une superbe réussite. Je crois que le livre a un très beau succès aussi, hein. Merci Charlotte, Maëtte. De rien Jérôme. Voilà, juste le temps de vous dire encore que, bien sûr, vous pourrez le faire signer si vous le souhaitez, ce livre, hein, puisque grâce à la librairie Le Fayeur, vous pouvez en acheter tout à l'heure en sortant de la conférence. Je pense que vous ferez un plaisir, vous m'avez expliqué comment les premières fois vous étiez un peu gêné d'avoir à signer des livres, que c'était un exercice tout à fait particulier pour vous. Voilà, Anatole, on vous écoute. Ce sera avec plaisir hein, quand même. Maintenant, ça y est, j'ai pris un peu d'habitude. J'ai un peu plus l'habitude. Ça y est, il sait faire maintenant. On vous écoute, puis on se retrouve tout de suite après pour questions. Très, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Maëtte, pour l'introduction. Et encore une fois, merci à tous d'être venus ce soir. Donc c'est vrai que c'est un exercice un peu amusant parce que je vais présenter en images ce livre sur lequel je me suis vraiment efforcé pendant 2 ans d'écrire et de trouver les mots, et les mots très très simples pour expliquer nos technologies sans images. Donc c'est un exercice assez compliqué d'essayer de faire passer des messages, des informations, des explications sur des technologies parfois assez compliquées, de manière très très simple et juste avec des textes. Et l'idée avec l'éditeur, c'était d'avoir aucune image, de faire uniquement passer ça via du texte. Aujourd'hui, l'exercice est complètement différent. Ce ne seront que des images, que des vidéos. Et j'ai pris en fait pas mal de plaisir aussi à concocter ce cocktail ici de vidéos et de photos qui présentent ces technologies assez originales, ces technologies qui s'adressent à votre cerveau, qui jouent avec votre cerveau, qui... on va le voir ensuite, peuvent faire pas mal de choses avec votre cerveau. Le sous-titre du livre, c'est « Quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées ». Donc derrière, il y a toute une inspiration qu'on a commencé à évoquer avec Maëtte, qui remonte effectivement à l'enfance, à l'adolescence, à tout ce qu'on peut lire et absorber quand on est petit. Alors, en l'occurrence, entre autres, il y a la science-fiction. Il y a des films qui, moi, m'ont vraiment marqué. Moi, j'avais 7 ou 8 ans quand j'ai vu ce film. Tout gamin, c'était La Guerre des Étoiles, L'Empire contre-attaque. Là, on trouve dans ce film et dans ces inspirations de science-fiction des technologies qui sont en développement dans les laboratoires, voire ont été développées dans nos laboratoires. Donc, par exemple, ce fameux jeu d'échecs holographique de La Guerre des Étoiles, où les pièces de l'échiquier sont en fait des hologrammes. Et puis cette séquence de La Guerre des Étoiles où Luke, le héros, se concentre pour soulever le vaisseau spatial par la seule force de l'esprit en développant cette capacité de télékinésie. Et donc on va voir que ce sont ce genre d'inspirations qui ensuite sont à l'origine des technologies qu'on peut développer dans nos laboratoires. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, voilà un exemple de cerveau de vision augmentée. Donc c'est une technologie qu'on a mise au point il y a quelques années dans le laboratoire, qu'on a appelée FlyVis, la vision de la mouche, fly, mouche, vis, vision en anglais. Avec ce système-là, ce FlyVis, vous pouvez donc voir à 360 degrés. Vous avez une vision augmentée, une vision panoramique, vous voyez avec des yeux dans le dos. Un casque de réalité virtuelle ici est connecté à une caméra à 360, donc une caméra qui filme tout ce qui se passe autour de vous. Et ensuite, on va recomposer l'image et afficher cette image, cette carte panoramique à 360 degrés, cette carte postale panoramique, en temps réel dans le visio-casque. Et donc ça, c'est ce que voit la personne ici. Une image quand même assez tordue, un peu bizarre. Hein. Mais
ce qui est assez intéressant, c'est que la personne s'adapte. Le cerveau s'adapte, et en fait, assez rapidement. On n'a pas mesuré le temps d'adaptation, et puis si ça marchait avec tout le monde. Mais là, on voit quelqu'un qui, après un certain temps, c'est Guillermo, c'est l'ingénieur qui a concocté la dernière version de ce système-là, qui arrive à marcher en arrière, qui arrive en fait à réaliser un certain nombre de tâches sans se retourner, sans tourner la tête. On peut attraper des objets dans le dos, serrer la main d'un collègue, on n'a plus besoin de se retourner. On a des yeux dans le dos. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce que ça nous montre aussi de l'adaptation du cerveau et de l'adaptation de notre perception. Ce n'est pas un sujet nouveau. Moi, j'aime bien cette vidéo, elle date de 1950. C'est les premières expériences de Erisman à l'université d'Innsbruck avec son collègue Kohler. Et il lui a enfilé aussi un casque un peu et des lunettes un petit peu curieuses. Ce sont des lunettes avec des miroirs. C'est beaucoup plus artisanal, c'est moins technologique que ce que vous avez vu juste avant. Mais ce sont des lunettes qui inversent le monde, la vision. Donc ce qui est en haut se retrouve en bas, et donc ce qui explique que lorsqu'il chausse ses lunettes, le jeune colère a tendance à se prendre la chaise parce qu'il a l'impression qu'elle est au plafond. Mais ce qui est intéressant dans ces études de Erisman, c'est qu'il était assez loin. À l'époque, il n'y avait pas de comité éthique, on pouvait faire des études un petit peu sans prendre trop soin des pauvres cobayes qui passaient par là. Et donc on lui a laissé le casque sur la tête, il a laissé le casque sur la tête pendant parfois des semaines, voire des mois à ses cobayes. Et puis on voit là le colère qui arrive à faire du vélo, donc une situation assez périlleuse avec ce casque, et on voit qu'il s'en sort pas si mal. Son cerveau s'est bien adapté. Alors c'est ça qui est intéressant avec ces technologies, c'est ce qu'elles nous apprennent, ce qu'elles nous révèlent de nos capacités et de nos capacités cognitives et des capacités de notre cerveau. Donc vous l'avez compris, on va parler de cerveau et de technologie. On va revenir sur des technologies qui permettent d'augmenter le cerveau, on vient de le voir avec le FlyViz, des technologies qui permettent de charmer le cerveau, de générer des illusions sensorielles, par exemple l'illusion de vous retrouver dans une réalité de substitution, une réalité virtuelle, des technologies qui permettent d'agir avec son cerveau, donc des technologies d'interface neuronale, des technologies qui permettent d'agir sur son cerveau avec ces mêmes interfaces, voire même de guérir son cerveau avec ces technologies-là. Voilà un peu le programme de ce soir. On va faire un petit sondage pour commencer, pour voir si vous êtes familier de ces technologies et aussi pour mesurer, comme on a pas mal de monde ce soir, mesurer la démocratisation de ces technologies-là. Si j'avais fait ce sondage il y a 5, 6, voire 10, 15, 20 ans, je pense que les réponses auraient été assez différentes. Donc on va faire un essai. Qui est-ce qui a déjà essayé un casque de réalité virtuelle ? Donc là je compte pas, mais j'irais quand même une majorité de personnes dans la salle, quand même. Je compte pas les gens au premier rang qui sont les doctorants là, de l'équipe, qui trichent. Là, en fait. Eux, ils vont lever la main à toutes les questions que je vais poser. Qui a déjà essayé un casque de réalité augmentée ? Donc des lunettes Google Glass, par exemple, des choses comme ça. Donc là, on voit que c'est un petit peu moins démocratisé, mais quand même, on a un public de... Ah, je vois des mains qui se baissent maintenant, parce qu'on n'est plus très sûr de ce que c'est que la réalité augmentée, quand même. Mais on va y revenir juste après. Quand même, on va dire un quart, peut-être un cinquième de la salle. C'est peut-être un peu biaisé par le fait que vous êtes déjà intéressé par ces technologies-là, vous êtes là ce soir. Qui a déjà essayé un casque à électrode ? On oublie le premier rang, on a dit. Voilà, on a peut-être quand même une vingtaine de personnes qui ont déjà testé ces technologies d'interface neuronale qui permettent de mesurer l'activité du cerveau pour, par exemple, piloter quelque chose par l'activité cérébrale. Et puis, dernière question, qui est-ce qui ne connaît pas très bien la différence entre réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, X-reality ? Juste pour avoir une petite idée, bon, toute la salle lève la main, d'accord. Alors, j'explique. Donc, je vous explique, c'était la suggestion de Maët tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est réalité virtuelle, réalité augmentée, ces technologies-là ? Alors, il y a des termes qui ont été posés dans la communauté depuis quelques temps. On va voir que ça remonte, on va donner aussi quelques repères historiques. La réalité virtuelle désigne des dispositifs immersifs qui essayent de vous immerger sensoriellement, qui procurent un sentiment de présence. Alors ça, c'est un terme qui fait débat dans la communauté, mais l'idée, c'est que vous allez avoir l'impression d'être transporté ailleurs. Vous êtes là-bas, dans ce monde virtuel, vous allez éprouver cette sensation-là. Au moyen d'interactions avec un environnement 3D synthétique qui est simulé en temps réel, qui est calculé par un ordinateur. Un exemple. Voilà notre salle Immersia à Rennes. Alors on a la chance d'avoir ce système de réalité virtuelle.
Là, pour le coup, on peut faire un petit sondage rapide. Qui est-ce qui est déjà allé dans Immersia? Quelques personnes quand même, hein, qui ont pu peut-être y aller pendant les portes ouvertes. Alors n'hésitez pas, il y a des portes ouvertes, il y a les journées sciences et musique au mois d'octobre. Il ne faut pas hésiter, Immersia est à ce moment-là accessible. C'est quand même une sacrée expérience. C'est une salle unique au monde, 10 mètres de large, 4 mètres de haut, 4 mètres de profondeur quasiment. Tout ça en écran stéréoscopique, comme au cinéma 3D. Vous êtes entouré d'écrans de cinéma 3D, y compris le sol, avec des lunettes stéréoscopiques. Et donc, vous voyez en relief, mais vous êtes à l'intérieur de la scène. Et puis, le point de vue est calculé en temps réel par rapport à votre point de vue à vous. Donc, vous avez une vraie sensation holographique. Si vous êtes au cinéma 3D et que vous déplacez d'un point A à un point B de la salle, l'image sera toujours la même. Là, si vous vous déplacez, ça va suivre vos mouvements et l'image est recalculée pour vous permettre de tourner autour des objets et avoir vraiment l'impression que c'est holographique. C'est assez puissant comme impression. Donc là, on voit ici, en fait, c'est un des blocs opératoires rennais du CHU de Rennes qui a été reconstitué, alors avec un certain niveau de réalisme ici, hein, et on va pouvoir s'entraîner dans ce bloc opératoire, réaliser certaines opérations pour les infirmiers ou les infirmières de bloc, réaliser certaines tâches qui peuvent être un petit peu stressantes, répéter en virtuel les procédures qui peuvent être un petit peu complexes avant d'aller ensuite dans le vrai bloc. La réalité augmentée. Donc la réalité augmentée consiste cette fois-ci à incruster des éléments virtuels dans l'environnement réel, qui peut être vu à travers des lunettes, comme les Google Glass, ou alors à travers un smartphone ou une tablette, comme le jeu Pokémon Go, que vous avez peut-être déjà vu, où on voit apparaître des Pokémon devant vous, dans la vidéo de la tablette. Donc là, c'est une technologie qui est apparue finalement il y a assez longtemps également, mais qui se démocratise un petit peu plus lentement, parce qu'il y a des problèmes supplémentaires, notamment le recalage, la superposition des objets virtuels dans le monde réel. Des fois, ça tremble, c'est pas très bien positionné. Cette question du recalage est assez compliquée. Mais les applications sont intéressantes. Par exemple, ici, un dispositif qui a été développé dans l'équipe avec le musée des Beaux-Arts, ici à Rennes. Vous savez qu'il y a une section égyptologie, un département des antiquités égyptiennes. Je vois des gens qui hochent, hein, qui opinent du chef. Et donc, on se demande ce qu'il y a dans la momie. On ne va pas ouvrir la momie parce qu'on va détériorer et on va abîmer cette momie. Et donc, ici, une application de réalité augmentée où un modèle 3D, en impression 3D de la momie, a été conçu. Et puis, avec un système de réalité augmentée, soit un projecteur, soit des lunettes de réalité augmentée, vous pouvez voir apparaître ce qu'il y a à l'intérieur de la momie avec, là, à nouveau, un super pouvoir de vision, de X-ray vision. Vous voyez à travers les objets. Là, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de la momie. On a du coup découvert, en ayant fait passer cette momie dans un scanner avant, et en ayant reconstitué l'intérieur de la momie, les ossements qui sont à l'intérieur de la momie, et puis la petite bobine de fil ou de tissu qui, en fait, servait à modéliser la tête et à maintenir la tête de la momie. Alors, la réalité mixte, un autre terme que vous avez peut-être entendu, là, c'est une notion qui a été proposée au milieu des années 90 pour désigner le continuum de technologies depuis les environnements réels, puis augmentés, jusqu'aux environnements virtuels. Donc, ça désigne l'ensemble de ces technologies-là. Tous les systèmes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée peuvent être appelés également des systèmes de réalité mixte. Et puis est apparu, avec un petit effet de mode, le terme XR, que vous avez peut-être aussi entendu, la X-Reality, ou la Cross-Reality en anglais, la croix du X. Ça, c'est un terme qui est en fait apparu aussi dans les années 90 dans certains brevets chez Sony, ou qui a déjà été utilisé, mais qui est très à la mode en ce moment, parce qu'il a fallu amalgamer d'autres technologies dites immersives, par exemple les vidéos 360. Si vous regardez à l'Office du tourisme, vous avez des visio-casques de réalité virtuelle qui servent à regarder certaines vidéos 360. Vous pouvez le tester si vous ne l'avez jamais fait. Et donc, ces vidéos 360, qui sont assez différentes de l'expérience de réalité virtuelle, parce qu'une vidéo 360, vous regardez un film à 360 degrés, mais vous ne pouvez pas interagir avec le contenu, alors qu'en réalité virtuelle, on l'a vu tout à l'heure dans la scène médicale, vous pouvez aller attraper des objets et interagir avec les objets de la scène. Eh bien, ce terme XR est apparu pour englober toutes ces technologies-là. Ça va ? Quelques repères historiques. Ces technologies immersives, elles ne datent pas d'hier, elles datent de bien avant. Elles datent même des années 50, où on voit apparaître, par exemple, ce système qui est considéré comme un des systèmes pionniers, le Sensorama, inventé par un inventeur américain génial, Morton Heilig, qui était aussi un cinéaste.
et qui avait proposé cette première cabine immersive où vous pouvez regarder un film en stéréoscopie avec, je regarde la brochure, une grande vision du mouvement, donc le siège devait bouger, bon, la couleur à l'époque ça devait être une belle innovation, du son, des arômes, donc sans doute des odeurs qui étaient diffusées, du vent et puis des vibrations du siège, donc un cocktail multisensoriel, une expérience sensorielle assez originale pour l'époque, et puis il a fait d'autres brevets ensuite. Dans les années 60 apparaissent en fait déjà les premiers concepts de visio-casque. Donc j'aime beaucoup cette vidéo là qui montre Ivan Sutherland, qui est un des pères, un des papas de la réalité virtuelle, qui est équipé de ce fameux premier visio-casque, et c'est déjà de la réalité augmentée. Vous voyez là, il y a des petits objets filaires qui apparaissent devant la vision de l'environnement de la personne. Donc on avait déjà les concepts de la réalité augmentée qui étaient déjà implémentés dès les années 60. Dans les années 80, apparaissent les data gloves, là, ces gants de données, et puis un petit peu plus de matériel de réalité virtuelle, et notamment les premières sociétés de réalité virtuelle comme VPL Research aux États-Unis, qui commencent à commercialiser des systèmes de réalité virtuelle, des dispositifs de réalité virtuelle. Ça ne marche pas très bien, il a fallu attendre un petit peu. Dans les années 80, on trouve aussi les premiers dispositifs ici haptiques, le terme utilisé par Maët, haptique, qui désigne le sens du toucher, comme optique qualifie la vision. Donc ce sont des interfaces qui essayent de vous donner des sensations tactiles, l'impression de toucher les objets virtuels. Et ici, on a un premier bras à retour d'effort qui permet d'aller manipuler les objets virtuels et de ressentir les forces, ressentir physiquement les sensations d'interaction à l'extrémité du bras, ici dans une application de docking moléculaire, donc on va assembler des molécules. C'était une des premières applications des interfaces à retour d'effort ici pour l'industrie pharmaceutique. Et puis dans les années 90 arrive ce fameux système Cave, ces écrans que nous ensuite on a déployés dans notre salle Immersia également, le système Cave développé à l'Université d'Illinois dès les années 90. Il y a encore d'autres systèmes qui arrivent dans ces années-là. Ça commence le catalogue de périphériques commence à s'enrichir. Et puis dans les années 2000, on constate une bascule avec les industriels qui commencent à s'emparer de ces technologies-là, notamment ici des industriels que je connais bien, ceux de ADS ou d'Airbus, mais aussi Renault, PSA et tous les industriels des secteurs automobiles et aéronautiques qui commencent à utiliser la réalité virtuelle pour concevoir des avions, des maquettes d'avions virtuels et tester des assemblages, des maintenances de véhicules virtuels en lieu et place des maquettes physiques, par exemple les maquettes d'avions qui prenaient beaucoup de place, vous l'imaginez bien. Il fallait un hangar pour avoir une maquette d'avion et tester des procédures d'assemblage de pièces sur des maquettes d'avion. En virtuel, on peut bien sûr compacter l'espace nécessaire. Et 2010, c'est une petite révolution, la Airvolution, avec l'investissement colossal des grands acteurs du numérique, Facebook, Google, Samsung, Sony, Apple, etc., Microsoft, qui se mettent à investir sur la réalité virtuelle vers le marché grand public. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses changent et qu'on trouve ces fameux visio-casques commerciaux que vous allez pouvoir vous procurer, si vous le souhaitez, chez n'importe quel magasin d'électroménager aujourd'hui. Vous allez trouver des casques de réalité virtuelle, voire des casques de réalité augmentée comme ceux qui sont mentionnés sur ce transparent. Donc là, ça a complètement diffusé les technologies, et on voit aussi, nous, dans la communauté scientifique, il y a beaucoup, beaucoup plus d'articles et de gens qui s'intéressent à ces technologies depuis qu'elles sont disponibles et accessibles pour le grand public. Alors, est-ce qu'on est arrivé, ça y est, à l'ère de la réalité virtuelle, avec la Happy VR Family, ici ? Certains pensent que oui, et puis d'autres pensent que non, que c'est un flop commercial encore. Alors, la question n'est pas tranchée, on va voir, hein. Notamment parce que ceux qui achètent des consoles PlayStation VR parfois les revendent quelques jours après quand ils découvrent qu'ils sont sujets au mal des simulateurs. Donc si vous connaissez cette notion de mal des simulateurs, peut-être vous savez ou vous ne savez pas que c'est un petit peu comme le mal de mer quand vous êtes sur un bateau et que vous êtes en train de lire un livre ou en voiture, le mal des transports, votre système visuel est en train de lire un bouquin, il a l'impression que vous êtes plutôt à l'arrêt, ou vous n'êtes pas en train de bouger. Et puis à l'inverse, les autres systèmes sensoriels, comme le système vestibulaire, dans votre oreille interne, vous informent et informent le cerveau que vous êtes en train de bouger, il perçoit les mouvements du bateau. Donc ça crée un conflit sensoriel entre vos yeux
et votre système vestibulaire. Et donc là, le cerveau ne sait pas trop comment réagir, et de temps en temps, il est malade, et pour certains, ça devient très très problématique, on vomit, etc. Enfin, c'est un peu la cata. Il se passe la même chose en réalité virtuelle, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une stimulation visuelle de mouvement, vous déplacez, alors que vous êtes parfois assis dans votre salon, confortablement installé dans votre canapé. Donc là, il y a un conflit à l'envers entre le mouvement perçu par votre système proprioceptif et vestibulaire, et puis la vision. Et donc ça donne les scènes qu'on voit représentées sur la photo ici, donc on n'est pas très bien. Nausées, mal de tête, fatigue, désorientation, etc. Donc ça peut donner lieu à ce genre d'échecs commerciaux. Et tout le monde est sur les dents aujourd'hui, tous les laboratoires se posent la question comment résoudre le problème du mal des simulateurs. Alors il y a d'autres problèmes qui se posent, qui suggèrent que nous avons encore un peu de pain sur la planche dans les laboratoires. La perception, je viens d'en parler, la cinétose, le mal des simulateurs, qui est vraiment peut-être la problématique numéro un en ce moment, mais aussi d'autres types de biais de perception. La perception dans les mondes virtuels est un petit peu biaisée. Par exemple, vous savez peut-être que dans la vie de tous les jours, on sous-estime les distances. Donc si j'essaye d'estimer la distance par rapport au fond de la salle, sans doute que je vais sous-estimer cette distance, c'est-à-dire que je vais avoir l'impression que les murs sont un petit peu plus près qu'ils ne le sont. Ça, c'est un biais de perception qui est assez connu et assez documenté dans le réel. Dans le virtuel, c'est amplifié. Les objets virtuels vous semblent beaucoup plus près par rapport à la position où vous souhaitez qu'ils soient perçus. Donc le biais est amplifié. Ça peut poser problème si vous achetez un canapé virtuel, par exemple, dans un supermarché virtuel pour peupler votre salon réel. Le jour où il va arriver, il risque d'être beaucoup plus grand que ce que vous aviez anticipé. Donc il faut faire un petit peu attention à ces choses-là. Et ça pose des questions pour nous, en termes de technologie, comment arriver à contourner ces biais et arriver à les rendre moins influents. Ensuite, il y a des problématiques de matériel, donc il faut améliorer les périphériques visuels, rajouter l'haptique, rajouter le toucher, le mouvement, toujours plus sensoriel. La partie logicielle aussi, la partie informatique, comment restituer des belles images. On se rapproche du photoréalisme, on n'en est encore pas complètement là. Mais il faut aussi ensuite gérer l'animation des humains virtuels, des personnages virtuels, ça reste aussi très compliqué. Les techniques d'interaction rendent les choses plus ergonomiques. Les applications, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. La recherche dans ce domaine est vraiment passionnante. Les applications aussi, parce que quand on regarde les applications de la réalité virtuelle, elles touchent à énormément de domaines différents. Donc ça peut être la médecine, pour la formation des médecins, pour les thérapies en réalité virtuelle, pour traiter les phobies notamment, avec des expositions progressives à certains éléments anxiogènes, avec des thérapies comportementales cognitives qu'on peut proposer en réalité virtuelle, par exemple pour l'arachnophobie, on va avoir tout d'abord une araignée un petit peu symbolique, et puis progressivement, l'araignée va devenir plus importante, plus impressionnante, et puis on va pouvoir s'exposer comme ça progressivement dans des conditions très sécurisées aux facteurs qui déclenchent la phobie. L'industrie, on en a parlé, l'éducation, la formation, le cinéma, les médias immersifs, les multimédias immersifs de demain, les jeux vidéo, le patrimoine culturel. Par exemple ici, cette vidéo que vous voyez là, qui est également un travail dans l'équipe sur des fouilles virtuelles. On va pouvoir ici utiliser la réalité virtuelle pour des archéologues qui souhaitent réaliser des fouilles sans détruire l'intérieur de l'urne funéraire qui est en train ici d'être fouillé virtuellement, et on peut réaliser sa fouille virtuellement. Donc les outils peuvent changer aussi certaines pratiques dans certains métiers de réalité virtuelle. Le sport aussi, alors là je mentionne du coup la conférence qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps de Richard Culpa ici même, si vous voulez aller regarder en podcast sur internet, Richard Culpa a parlé de sport et de réalité virtuelle au cours de sa conférence mardi de l'espace des sciences. Et bien d'autres. Maintenant, il se trouve que finalement, à Rennes, on est très très bien placé sur ces questions-là, aussi bien les questions de recherche et ensuite de transfert vers des applications assez différentes. Nous avons un pôle d'excellence breton qui est assez unique au monde, le centre de recherche INRIA-IRISA, qui rassemble 3 équipes de recherche et pratiquement 100 personnes, 100-120 personnes à plein temps en recherche académique sur le sujet de la réalité virtuelle. Il faut savoir que c'est quasiment unique au monde. Il n'y a pas vraiment d'autres endroits sur la planète où il y ait autant de personnes qui travaillent dans une université ou dans un institut de recherche sur le sujet de la réalité virtuelle. Et puis on a la chance d'avoir ces 2 plateformes expérimentales qui sont impressionnantes. Immersia, j'en ai déjà parlé, ici. Et puis Immermove, avec un plateau technique très impressionnant, avec de la capture de mouvement et des collaborations dans le monde du sport. Là, à nouveau, allez voir la conférence de Richard si vous êtes intéressé par cet aspect-là.
Donc je vais revenir maintenant sur ce qu'on fait nous dans l'équipe, hein, l'équipe de recherche hybride, qui est une équipe d'à peu près 35-40 personnes qui travaillent dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc on est assez nombreux, hein, il y a 17 doctorants qui travaillent actuellement sur ce sujet-là. Notre projet scientifique, assez ambitieux, hein, reconnecter le corps et l'esprit en réalité virtuelle. Tout un programme avec une approche basée perception. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va étudier d'abord la perception des mondes virtuels. On en a parlé tout à l'heure, il y a des biais de perception, il y a des phénomènes assez curieux qui se produisent. On essaye de les analyser, de les modéliser pour mieux les comprendre et proposer des technologies qui essayent d'y pallier. Un exemple ici, c'est une étude où les gens marchaient quasiment un kilomètre, je crois, dans notre système, et il fallait éviter des obstacles. Alors, soit des obstacles réels, comme le monsieur là, qui passait du coup toutes ses expériences debout, assis dans le noir, à attendre que les gens passent devant lui. Là. Et puis la même personne, mais virtuelle. Et puis on regardait le comportement des gens, et là on s'aperçoit par exemple que ce qui est assez étonnant, c'est que les gens font plus attention lorsque le personnage est virtuel. On prend un peu plus de distance, on se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ça, et du coup on prend quelques centimètres de plus quand on passe près du personnage virtuel. Ce genre de modèle et d'informations qui sont très précieuses ensuite quand on fait des simulations dans le domaine de l'architecture, par exemple. Donc une réalité virtuelle pour le corps et l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'abord d'essayer de stimuler vos sens, d'essayer de s'adresser à vos différents capteurs sensoriels, que ce soit les capteurs visuels, mais aussi les capteurs tactiles, voire le mouvement dont on a parlé. Et puis ensuite, de s'intéresser à la question du corps. Qu'est-ce que ça veut dire de posséder un corps virtuel, on va y revenir, un avatar en réalité virtuelle. Et puis enfin, intégrer le cerveau dans tout ça, et voir comment est-ce qu'on peut interagir avec ces mondes virtuels, avec son cerveau, et comment est-ce qu'on peut introduire l'activité cérébrale dans ce schéma d'interaction avec les mondes virtuels. Voilà le programme, c'est parti. On commence avec la stimulation sensorielle. Alors voilà un exemple où on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans les images de synthèse virtuelle, avec une vidéo ici qui montre un travail assez original, où on a essayé d'avoir des images de synthèse qui sont un petit peu plus proches de ce qui se passe dans la vraie vie, à savoir, je ne sais pas si vous voyez ici la petite croix qui se balade, petite croix blanche en fait, c'est le point de focalisation de l'utilisateur, c'est l'endroit où la personne regarde. Aujourd'hui, dans les casques de réalité virtuelle, on commence à intégrer ces technologies de gaze tracking en anglais, de suivi de regard, qui permettent de savoir où est-ce que vous êtes en train de regarder. Et du coup, avec ça, on va en profiter pour rajouter un flou de profondeur. Alors, ceux qui font de la photographie sont bien au courant de cette technique-là. Les autres peuvent regarder leur index dressé devant eux et ils vont constater que ce qui est devant et derrière l'index est flou. C'est une propriété de notre vision, mais par contre, elle est absente des images de synthèse qui sont parfaites, qui sont nettes dans toute l'image, mais qui sont du coup pas très réalistes. Et nous, on a rajouté ça dans les images de synthèse que vous voyez ici, c'est-à-dire que tout ce qui va être devant ou derrière l'objet fixé par la croix ici va être flouté. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on a une superbe image de synthèse calculée par des ordinateurs avec des opérations mathématiques assez compliquées, et on va dégrader l'image, on va la flouter. Ça peut paraître paradoxal puisque le but, c'est quand même d'avoir des images les plus propres possibles et les plus nettes possibles, mais là, on s'est rendu compte que avec ce petit artifice-là, en fait, les personnes immergées dans nos scènes virtuelles préfèrent le retour visuel lorsqu'il y a cette petite dégradation de l'image, ce petit flou de profondeur. Parfois, ils ne s'aperçoivent même pas que c'est un flou de profondeur, mais ils préfèrent la condition avec le flou de profondeur. Donc on va assez loin dans ce rendu des mondes virtuels pour essayer de se rapprocher au plus près des caractéristiques de la perception humaine. Donc on a également, après la vision, l'intérêt et l'envie d'aller s'attaquer au toucher. Alors ça, c'est complexe parce que les capteurs tactiles, c'est beaucoup plus compliqué que les capteurs visuels. Il y en a un petit peu partout, ils sont différents. Il faut bien connaître le sens du toucher, c'est pas évident. Et puis, il y a plein de technologies haptiques qui sortent. Alors en ce moment, ces technologies haptiques qui s'adressent au sens du toucher pour toucher les mondes virtuels, arriver à palper la matière virtuelle. Vous allez trouver sur Internet plein de petites entreprises, de Kickstarter, de start-up qui se mettent à essayer de proposer des technologies toutes plus originales les unes que les autres, comme ces gants exosquelettes, ces gilets tactiles ou vibrants, ces petits modules tactiles qui viennent appuyer sur le bout de vos doigts pour toucher les objets virtuels. Tous espèrent vendre à Google ou Facebook le module qui va bien pour la prochaine génération de casques de réalité virtuelle. On voit que c'est la prochaine étape
dans les dispositifs commerciaux, rajouter le tactile, rajouter la possibilité de toucher les objets virtuels. De notre côté, on y travaille également. Donc voilà, par exemple, un travail qu'on a réalisé dans le laboratoire il y a quelques années. On était assez précurseurs dans le domaine. On est breton, alors on a pris un scénario qui nous correspondait bien, les crêpes, et on a proposé de faire une fabrication de crêpes virtuelles, mais pas n'importe quelle virtuelle, des crêpes virtuelles qu'on va pouvoir ressentir physiquement. On va pouvoir sentir, toucher la matière et la pâte à crêpes. Alors vous voyez que dans la vraie vie, en fait, la personne, elle manipule ici des bras à retour d'effort, ces espèces de joystick actionnés qui vont pouvoir se bloquer, exercer des forces sur vous et vous faire ressentir ce que vous sentiriez si vous aviez dans la main cette poêle ou cette bolée. Donc on voit ici dans la petite vidéo la personne qui est en train de manipuler ses deux bras à retour d'effort. On voit ce qu'il fait dans la simulation. Il est en train de plonger sa bolée dans la belle pâte à crêpes bien onctueuse. Et il verse la pâte à crêpes ensuite dans la poêle. Et là, il va sentir le changement de masse, le changement de poids, lorsqu'il verse sa pâte à crêpes grâce aux bras à retour d'effort. C'est assez troublant de sentir comme ça, de pouvoir toucher les objets virtuels et de ressentir le poids de la matière virtuelle. Donc on complète ensuite la simulation avec du sirop d'érable ou alors du caramel au beurre salé, hein, ça dépend des goûts. La viscosité n'est pas la même, donc les sensations sont différentes. Hein, quand on touille, c'est un peu plus visqueux dans un cas que l'autre. Bon, et puis pour l'anecdote quand même, à la fin, comme c'est vraiment sale partout, ce qui est intéressant en virtuel, c'est que vous appuyez sur un bouton et la cuisine est complètement nettoyée. Ça, c'est un des intérêts de la réalité virtuelle. Alors ça, c'était les techniques assez sophistiquées, vous avez vu, c'était essayer de se rapprocher, de simuler vraiment très précisément les sensations et les stimulations qu'on aurait si on avait ce type d'interaction dans la vraie vie, au plus près de la perception ou de la simulation physique des choses. Il y a une autre approche dans le domaine qui consiste à essayer de proposer des technologies qui sont au bord de l'illusion. Puisque finalement, la réalité virtuelle, c'est la science des illusions. On essaye de vous créer l'illusion que vous êtes ailleurs, que vous êtes dans une autre réalité, alors qu'en fait, vous êtes toujours installé dans votre salon, dans votre canapé, en train de regarder votre séquence. Donc on est dans le domaine des illusions, on frôle, on flirte avec les illusions, et dans le domaine du toucher, on a voulu explorer aussi cette piste-là, parce que peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas les illusions haptiques. Donc dans le domaine de la vision, les illusions optiques sont assez bien documentées. En haptique, il faut savoir que, également, votre sens du toucher et votre cerveau peut être abusé par des sensations tactiles, fantômes, des choses qui n'existent pas et que pourtant, votre cerveau va ressentir tactilement. Deux exemples ici que vous allez peut-être pouvoir reproduire à la maison. Le premier est un petit peu plus difficile. C'est l'illusion taille-poids qui vous donne l'impression que, à masse égale, c'est-à-dire si ça a exactement la même masse, un objet un petit peu plus petit sera plus lourd que l'objet plus grand, alors qu'ils ont exactement la même masse. Et puis ici, une autre illusion que là, vous allez pouvoir faire chez vous. Vous prenez, alors c'est l'illusion du thaler. Thaler, parce que c'était une pièce de monnaie du 19e siècle. C'était avec ces pièces de monnaie-là qu'on faisait cette illusion. Aujourd'hui, ça marche aussi avec des euros. Vous n'êtes pas obligé d'aller essayer de retrouver des thalers, mais vous prenez deux pièces de 1 euro. Vous prenez une pièce que vous mettez au congélateur. Vous la laissez un certain temps au congélateur. Quand elle est bien froide, vous la sortez. Vous soupesez les deux pièces et normalement, il y en a une qui doit vous paraître plus lourde que l'autre. Qu'est-ce qui pense que c'est la froide? Qu'est-ce qui pense que c'est la chaude? C'est la froide. Désolé. Enfin, vous allez tester, vous allez me redire, parce que peut-être que les choses ont changé depuis le 19e siècle. Donc, de notre côté, on utilise cette technique-là. On essaye de créer des illusions haptiques. On essaye de créer des illusions en réalité virtuelle et une technique qu'on a mise au point qui a très bien marché, qui moi, alors ça c'est ma thèse, c'était il y a 20 ans, m'a rendu relativement célèbre dans ma communauté à moi, ces fameuses illusions-là dont je vais parler, c'est l'illusion pseudo-haptique. C'est comment faire sentir des sensations tactiles avec la vision. Ici en l'occurrence, comment faire ressentir le relief d'une image avec un curseur de souris qui passe sur cette image, sachant qu'il n'y a absolument aucun robot, aucun vibreur, pas de technologie haptique. Donc l'idée qu'on a proposée en 2004,
Et ensuite, on a beaucoup travaillé là-dessus, on l'a aussi porté en réalité virtuelle avec des casques virtuels, ça marche très très bien, consiste à tout simplement tricher sur la vitesse du curseur visuellement. Vous allez ralentir ou accélérer le curseur lorsqu'il monte ou qu'il descend. D'accord ? C'est tout bête. Ça donne l'impression que la souris est encrassée. Et en fait, c'est pour ça que ça marche. On a l'impression qu'effectivement, il se passe quelque chose. Ici, vous le voyez sur la petite vidéo, quand le curseur passe sur la bosse, ah, ça ralentit, ça accélère. Et quand on tombe dans le creux, ah, ça accélère, ça ralentit. Cette petite technique toute simple, qui ne coûte pas un euro pour le coup de plus, quelques lignes de code, on l'a testé sur des dizaines et dizaines de personnes, ça marche très très bien, les gens vont systématiquement associer un creux, une bosse, et ressentir le creux et la bosse. Avec donc des techniques très simples, on peut parfois tromper votre cerveau, et en réalité virtuelle, on va exploiter ça pour donner des sensations tactiles. On va aussi pouvoir vous donner des sensations de mouvement, et des illusions de mouvement. Voilà un siège de cinéma du futur qu'on a créé avec la société Interdigital, à l'époque c'était Technicolor. Un siège de cinéma qui, ce qui est assez amusant ici, prend vraiment un parti assez radical, c'est qu'on va, par rapport au Futuroscope ou au parc qui vont proposer des plateformes de mouvement, on ne va pas faire bouger le siège. Si vous regardez bien ici, il est assis sur une chaise de bureau très standard, et la chaise ne bouge pas d'un millimètre. Par contre, on va exercer des forces sur sa tête, au niveau de l'appui-tête, et sur ses mains, ici. Et ces petites forces-là, on lance la vidéo, voilà, ces petites forces-là sont synchronisées avec ce qui se passe à l'écran. Vous voyez, il est dans un véhicule, il est dans un jeu vidéo, il est dans un film où il y a un mouvement. Et en fait, les petites forces ici sont proportionnelles à l'accélération visuelle. Et ça, ça déclenche des illusions puissantes de mouvement, des illusions de vection, des illusions de mouvement, qu'on a documentées, qu'on a montrées comme étant très puissantes dans cette situation-là, voire peut-être, ça on ne l'a pas testé, plus fortes que celles qu'on aurait avec une plateforme de simulation. Donc voilà le hapsite, le siège haptique, qui procure des sensations de mouvement. Peut-être qu'il équipera cette salle dans 10 ou dans 15 ou dans 20 ans. Ça, je le suggérerai bientôt aux organisateurs du Mardi de l'Espace des Sciences. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Après l'essence, on va s'attaquer au corps virtuel. Ça, c'est une thématique qui nous passionne dans le laboratoire, qui excite beaucoup la communauté scientifique en ce moment. C'est la thématique de l'avatar, le corps virtuel que nous avons, dans lequel nous nous incarnons quand on met un casque de réalité virtuelle. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous regardez votre corps, vous êtes dans un monde virtuel, il a disparu. Et à la place, vous pouvez avoir un corps virtuel qui est très différent. Vous pouvez être plus petit, plus grand, plus gros, plus âgé, plus jeune, changer de sexe, changer de peau, devenir un personnage de fiction. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous approprier ce corps virtuel ? Est-ce que vous allez croire à ce corps virtuel ? Qu'est-ce qui fait que vous allez plus facilement y croire ou moins facilement y croire ? Jusqu'où on peut aller ? En quoi est-ce que ce corps virtuel va modifier votre comportement ? Est-ce que vous allez vous mettre à vous comporter différemment avec les autres personnages, si vous êtes petit, si vous êtes grand, si vous êtes un énorme barbare, ou si à l'inverse, vous avez un autre personnage ? Et quand vous retirez le casque de réalité virtuelle, est-ce que les effets vont perdurer ? Voilà les questions qu'il y a derrière, c'est des questions qui nous amusent beaucoup, et on a fait deux, trois expériences assez originales, je n'ai pas l'occasion de tout présenter ici, mais c'est un sujet qui passionne en ce moment les scientifiques, technologiquement et aussi sur le plan de la psychologie et des neurosciences. Un exemple ici avec ces ombres virtuelles. Alors si vous remarquez, alors les gens ne remarquent pas tout de suite, quand ils sont dans Immersia, dans cette expérience, où on leur demande d'aller positionner une balle sur des cibles, mais en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va changer leur ombre virtuelle. Et donc, ce monsieur-là se trouve affublé d'une ombre féminine. Et puis, il n'y a pas de doute possible, hein, on reconnaît bien le chignon, on voit bien l'allure, on voit bien que c'est une femme. Les gens ne remarquent pas tout de suite, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'on va assez vite se prendre au jeu, et on va accepter assez naturellement cette ombre virtuelle. Et puis, nous, on s'est amusé ici avec des ombres un petit peu décalées. Ici, vous voyez l'ombre de Lucky Luke, là. Et alors là, on se prend au jeu. Hein. Moi, le premier, quand j'ai... essayer l'ombre de Lucky Luke, j'ai pas pu résister, j'ai regardé si j'avais un chapeau.
Et on finit par vraiment croire ce que suggère cette ombre virtuelle. Et pour aller encore plus loin, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut aller vers des corps virtuels qui seraient anatomiquement différents d'une autre ? Donc là, ici, c'est une main à 6 doigts. Donc vous mettez le casque de réalité virtuelle, vous regardez votre main, en lieu et place de votre main, vous avez une main virtuelle parfaitement superposée, et puis là aussi, vous ne remarquez pas tout de suite, mais il y a un truc qui cloche, c'est que vous avez un 6e doigt. Voilà ce que ça donne dans le casque. Ah, vous avez ce 6e doigt, et les gens ne remarquent pas tout de suite. Hein. Ce n'est pas toujours immédiat. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a proposé une technique de conditionnement, ici, pour que vous sentiez que vous alliez finir par ressentir ce 6e doigt. Alors, vous posez la main sur la table, et puis en face de vous, il y a un opérateur avec un pinceau qui brosse, qui caresse vos doigts. Dans la simulation de réalité virtuelle, il y a aussi un pinceau virtuel qui passe sur les doigts et qui caresse et qui brosse les doigts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le pinceau virtuel, ici, brosse le 6e doigt. Dans la vraie vie, ici, l'opérateur va tricher. Lui, il va repasser sur l'annulaire, mais de manière très synchronisée, de manière à ce que la sensation tactile marche très bien avec le mouvement visuel. Et donc, vous allez vous mettre à ressentir ce 6e doigt. Et c'est assez troublant parce que très vite, on commence à plus très bien savoir où est notre annulaire et est-ce qu'on en a deux, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Si bien qu'à la fin de l'expérience, quand on revient à une main à 5 doigts virtuelle, ce qu'on nous a dit, hein, c'est que la sensation est très curieuse. On a l'impression d'avoir une main où il manque quelque chose, comme si le cerveau s'était très vite approprié ce doigt en plus. Donc on a voulu regarder ce qui se passait dans le cerveau maintenant, quand on est soumis à ces corps virtuels un peu étranges. Alors on a fait cette expérience avec un casque électroencéphalographique, ici, pour regarder ce qui se passe dans le cerveau de la personne lorsqu'elle regarde cette main virtuelle ici qui commence à faire n'importe quoi. Donc vous êtes en train de pianoter en l'air avec votre main virtuelle et votre main bien réelle, et puis on va commencer à introduire des séquences où la main et votre corps ne répondent plus, ou répondent bizarrement. Donc on peut introduire un retard, par exemple. Donc vous pianotez en l'air, et ça réagit avec 1 seconde de retard, comme si votre corps était lent à la détente. Ou alors on va commencer à inverser des doigts. C'est-à-dire vous soulevez votre index, et puis c'est le petit doigt qui bouge. Et puis après on introduit un doigt fou, il y a un doigt qui commence à faire n'importe quoi et à bouger tout seul. Et on regarde dans ces différentes conditions qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, et on a observé un résultat assez étonnant, c'est qu'il y a une petite activité qui se manifeste dans votre cerveau dans ces conditions-là, qui correspond à peu de choses près à ce qui se passe dans le cerveau d'un patient schizophrène lorsqu'il vit une expérience d'hallucination. Donc, si je résume, lorsque votre corps virtuel commence à vous échapper, vous vivez, votre cerveau vit une expérience hallucinatoire. Ça se produit assez souvent en réalité virtuelle, il y a des fois des petits bugs, et donc il faut savoir que, waouh, à ce moment-là, vous vivez un petit trip hallucinatoire. Donc on commence à rentrer dans cette technologie des interfaces neuronales. Alors ça, c'est une technologie sur laquelle moi j'ai commencé à travailler il y a à peu près 15 années, 2004-2005, sur Rennes. On n'était pas nombreux en France à travailler sur ces technologies-là. L'idée, c'était vraiment de proposer des technologies qui permettent d'agir avec son cerveau, de pouvoir analyser ici l'activité cérébrale de la personne grâce à un casque à électrode, enregistrer son activité électrique, pour ensuite essayer de décoder les signaux EEG, ces signaux électroencéphalographiques, pour retrouver dedans des motifs particuliers qu'on va traduire en commandes pour envoyer ça à un ordinateur. Et par exemple, taper un texte ou envoyer un curseur à gauche, ou un curseur à droite, ou un robot tout droit, ou un robot à droite. Donc en fait, quand je me suis posé cette question-là en 2003-2004, je me suis dit, mais c'est une idée géniale, formidable, j'ai une super idée. Et en fait, j'ai réalisé assez vite que ça existait. Enfin, je n'ai pas réalisé tout de suite, mais après, j'étais assez déçu parce que voilà encore une idée géniale que finalement, je n'avais absolument pas inventée et qui existait même depuis pas mal de temps, encore une. Notamment si on remonte sur les technologies EEG,
l'électroencéphalographie, que vous avez peut-être déjà essayé ou que vous avez vu d'autres personnes essayer soit à l'hôpital, soit dans les séries télé. Ça date de 1929, invention par Hans Berger en Allemagne. Voilà les premiers tracés EEG par ce monsieur qui observait déjà à l'époque ici des choses assez intéressantes dans les signaux EEG. C'est que si vous fermez les yeux, par exemple, vous commencez à voir apparaître un petit phénomène oscillatoire dans vos signaux EEG. Si vous commencez à décrocher, parce que là, ça commence à faire longtemps, hein, d'ailleurs, Matt, il faudra me dire si je ne suis pas trop long, ça commence à devenir un petit peu dur, cette conférence, hop, vous piquez du nez, vous n'êtes pas complètement endormi, vous allez avoir aussi dans vos signaux EEG cette petite onde qui apparaît. Ça s'appelle l'onde alpha. Ici, là, on la voit bien. C'est une onde à 10 Hz, c'est-à-dire que 10 fois par seconde, là, vous avez un petit pic à 10 fois par seconde, qui apparaît dans votre cerveau quand vous fermez les yeux, quand vous êtes en train de somnoler, et puis par contre qui va diminuer d'intensité si vous êtes bien éveillé, si j'arrive à garder votre attention jusqu'au bout de cette présentation. Votre alpha doit diminuer normalement. Et ce qui est intéressant, c'est que dès les années 60, 1967, publication dans Nature par Dewan ici, qui montre cette personne ici, là, qui est devenue une sorte de maître Jedi de la guerre des étoiles, qui contrôle son onde alpha. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire monter ou descendre son alpha, la puissance de son alpha, en se relaxant ou en se concentrant. Quand elle se détend, l'alpha monte. Quand elle se concentre, l'alpha descend. Et il a relié ça à la petite lampe électrique que vous voyez derrière. Donc il faut imaginer qu'il y a des électrodes sur le crâne, au niveau de l'arrière du crâne ici. Et puis la lumière s'allume quand on détecte un niveau d'alpha suffisant. Et donc voilà, dès les années 60... une communication par l'activité cérébrale ou une personne qui va pouvoir envoyer des messages. En l'occurrence, là, on va utiliser le morse, donc ce langage basé sur des bips un petit peu longs, un petit peu courts. Hein, SOS, je crois, là, il y a peut-être des gens qui connaissent, mais je crois que c'est trois signaux longs, trois signaux courts, trois signaux longs en morse. C'est ça ? Ou c'est l'inverse ? Non, c'est ça ? C'est ça, merci. Et donc là, elle envoie, alors elle envoie sans doute pas SOS, enfin, j'espère, mais elle envoie un message en morse avec sa lampe qui s'allume plus ou moins longuement, avec des bouffées d'alpha, des déclenchements d'alpha plus ou moins longs. Elle maîtrise l'alpha pour communiquer à l'aide de son cerveau dès les années 60. Donc ces technologies-là, elles sont assez anciennes en fait. Et 2004, on voit un changement ici où là, on a des matrices d'électrodes implantées dans le cortex moteur. Donc là, il faut avoir subi une opération pour ça, hein. On met une matrice d'électrode à la surface de votre cerveau, mais sous le crâne. Et des premiers tests en 2004 qui montrent qu'une personne qui était sévèrement paralysée pouvait contrôler ici un curseur à l'écran en plusieurs dimensions. Alors les défis de ces technologies-là, même si ça fait longtemps, ils sont toujours présents. Un petit peu comme la réalité virtuelle. Il y a quand même des choses qui n'ont pas été réglées, et loin de là. D'abord, des connaissances sur le cerveau. Il y aura une exposition sur le cerveau, d'ailleurs, à l'Espace des sciences, dès l'année prochaine. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore bien tous les mécanismes électrophysiologiques du cerveau, l'activité électrique du cerveau, l'anatomie du cerveau commence à être bien connue, mais on est bien loin d'avoir fait le tour. Des capteurs plus efficaces, des électrodes plus efficaces, ou d'autres techniques de neuroimagerie, du traitement de signal, de l'intelligence artificielle pour mieux reconnaître les signaux électriques. Aujourd'hui, les taux de reconnaissance sont relativement faibles quand même. Et puis, il faut que ce soit une interface quand même plus agréable, plus confortable, plus ergonomique que ce qu'on a actuellement. Et puis, beaucoup de recherches cliniques maintenant pour transférer ça vers ceux qui en ont vraiment besoin, à savoir les patients. Dans ce contexte, notre équipe, elle a travaillé depuis 2005 sur ces questions-là. Et ce qu'on avait identifié, c'est qu'il manquait des outils. C'est-à-dire que la communauté internationale n'avait pas vraiment les outils pour travailler sur ces technologies-là. Et donc, on a proposé un logiciel gratuit, open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut taper dans le code et développer le code. Et ce logiciel, vous pouvez rentrer chez vous et le télécharger. Vous pouvez acheter un casque à électrodes sur Internet, ça se trouve. Il y en a des pas mal. Alors, les très chers, ce sont les casques certifiés médicaux. Ils coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais vous allez trouver des casques parfois grand public, pour quelques centaines d'euros, et vous pouvez démarrer une activité sur les interfaces cerveau-machine avec ce logiciel qui contient déjà toutes les étapes, tous les traitements de base pour pouvoir démarrer
et quelques exemples, des jeux vidéo notamment, qui sont basés sur ce logiciel, pour pouvoir démarrer une activité sur les interfaces neuronales. Donc c'est pas une technologie, c'est une technologie qui peut paraître futuriste, mais aujourd'hui, on a les outils pour démarrer une activité assez rapidement là-dessus, et c'est notre équipe de Rennes, et puis maintenant d'autres équipes à l'INRIA, qui portons ce projet, qui le portons aujourd'hui. C'est devenu un des logiciels les plus utilisés dans le monde académique, et aussi en recherche clinique sur les interfaces cerveau-machine. C'est une belle réussite rennaise aussi. Quelques exemples ici de gens qui ont téléchargé notre logiciel et qui sont amusés à poster leurs vidéos sur YouTube. Donc j'ai fait cette recherche-là il y a quelques temps. On voit des choses très différentes. Donc des gens qui vont contrôler avec leur cerveau des petits robots, des jeux vidéo, faire des œuvres d'art avec ou des créations ou des performances artistiques en utilisant les ondes cérébrales, etc., etc. Alors nous aussi, on s'est amusé avec ces technologies-là, bien sûr. Et on a développé nos propres prototypes d'interfaces neuronales pilotées ou connectées à des environnements virtuels. Quelques exemples. Voilà un jeu vidéo piloté par les aires visuelles de votre cerveau. Donc vous voyez d'ailleurs, les électrodes sont bien positionnées à l'arrière du crâne, au niveau du cortex visuel. Comment est-ce qu'on pilote ici le petit vaisseau spatial pour arriver à détruire les vaisseaux ennemis qui arrivent en haut de l'écran? C'est inspiré de Space Invaders pour les connaisseurs de jeux vidéo. Vous voyez qu'il y a trois petites zones qui clignotent sur le vaisseau, aile gauche, aile droite et canon, et que ça clignote à des fréquences différentes. Eh bien, mettons que ce soit 5 fois par seconde l'aile gauche, 6 fois par seconde l'aile droite, et puis 7 fois par seconde le canon. Il se trouve que si vous regardez le canon qui clignote, mettons 7 fois par seconde, si on regarde ce qui se passe dans votre cerveau ici, au niveau des aires visuelles, on va retrouver dans votre activité électrique la fréquence de cette aire. C'est un petit peu comme si votre cerveau se mettait lui aussi à clignoter 7 fois par seconde dans vos aires visuelles. La fréquence passe directement par le nerf optique et arrive directement dans votre cortex visuel. Donc si on trouve du 7 Hz dans votre cortex visuel, vous êtes en train de regarder le canon, alors on tire. Si par contre on trouve du 5 Hz, si le cerveau se met à clignoter à 5 Hz, on va dire, alors vous regardez l'aile gauche et on envoie le vaisseau à gauche. Et vous voyez que ça marche assez bien en fait, on n'est pas aussi rapide qu'avec un joystick, mais on est plutôt pas mal. Deuxième exemple de jeu vidéo qu'on a développé dans ce projet Open Vibe 2 avec des partenaires entre 2009 et 2013, c'était des partenaires de jeux vidéo comme Ubisoft. On testait le potentiel de ces technologies dans le monde du jeu. Voilà l'un des tout premiers jeux multijoueurs. Donc vous avez deux cerveaux connectés aux jeux vidéo. C'est un bras de fer mental, un duel cérébral où vous affrontez avec votre imagination de mouvement. Vous devez imaginer un mouvement de la main gauche ou de la main droite pour envoyer une balle de foot à gauche ou à droite. Vous voyez à l'écran ici, là, il y a une balle qui part à gauche ou à droite. C'est celui qui pense le plus fort qui gagne. Voilà. Ce qu'on a montré ici, c'est que finalement, quand on était deux, les performances de certaines personnes s'amélioraient et qu'il y avait une vraie motivation pour proposer des systèmes multijoueurs. Globalement, pour ces technologies-là, il y a une motivation supplémentaire, un petit supplément d'âme lorsqu'on se bat contre le voisin ou quand on travaille avec le voisin aussi. Un autre exemple ici plus récent de pilotage de robots mobiles, cette fois-ci en réalité augmentée, avec ces interfaces cerveau-machine. C'est une des toutes premières fois qu'on combinait à la fois réalité augmentée et interface neuronale, toujours avec ce principe des petites cibles qui clignotent ici, pour envoyer le robot dans la direction qui correspond à la cible, soit tout droit, soit à droite, soit à gauche. Et le parcours est tracé au sol, ce sont les petites cibles blanches, il faut réaliser ce petit losange. En se concentrant sur la bonne cible, du coup, qui apparaissent en réalité augmentée autour du robot. Donc on mélange réalité augmentée et puis interface neuronale pour piloter ce robot à distance, sans bouger, uniquement avec son attention visuelle. Dernier système aussi de réalité augmentée et puis d'interface neuronale, le miroir du cerveau. Alors imaginez-vous, vous êtes en train de vous regarder dans le miroir. Bon, c'est un miroir un peu technologique parce que c'est une webcam, c'est comme un système de visioconférence là. Et puis vous voyez votre cerveau en action dans votre tête.
comme si vous aviez un scanner à domicile, quoi. Mais un scanner situé, c'est-à-dire que c'est dans votre miroir, vous l'avez à l'endroit où ça se trouve, c'est-à-dire dans votre crâne à vous. Et donc vous pouvez commencer à vous amuser à essayer de contrôler votre cerveau, de reprendre le contrôle de certaines ondes cérébrales, d'apprendre à contrôler vos aires visuelles, vos aires motrices, certains motifs ou certaines activités cérébrales. Ça, ce sont les bases du neurofeedback. Donc le neurofeedback, c'est cette propriété assez étonnante que nous avons tous, qui consiste à, lorsque vous êtes exposé à un retour sur une onde cérébrale, sur une activité cérébrale, par exemple votre onde alpha, ou d'autres types d'ondes cérébrales, sous la forme d'un retour visuel, par exemple une jauge qui monte ou qui descend à l'écran, un vaisseau spatial qui monte ou qui descend. Eh bien, si on affiche ce retour visuel en temps réel avec votre activité cérébrale qui est mesurée en temps réel, hein, c'est vraiment votre onde alpha que vous voyez à l'écran, au bout d'un moment, vous allez trouver les connexions en vous pour arriver à faire monter le vaisseau spatial ou faire monter la jauge comme vous voulez, presque comme vous voulez. Donc c'est le neurofeedback, quand vous avez un retour sur votre activité neuronale, vous apprenez progressivement à contrôler cette activité neuronale. C'est les bases de ces technologies-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, ça peut avoir des effets thérapeutiques. Donc notamment dans certaines pathologies, en particulier les déficits attentionnels, on commence à avoir des éléments de preuve clinique. Donc les déficits attentionnels, ce sont par exemple ces enfants qui ont du mal, ou ces adultes, qui ont du mal à garder leur concentration, à rester bien concentrés pendant une durée assez prononcée, qui peuvent être en situation d'échec scolaire pour ces gamins, parce qu'ils ont du mal à garder leur attention et à maîtriser leur attention. Eh bien, le neurofeedback aujourd'hui peut être une technique pour retrouver le contrôle de certaines ondes cérébrales qui sont liées à ces pathologies-là. Et on commence à avoir des résultats intéressants pour montrer que ça peut-être, dans certains cas, permettre de se passer des médicaments. Donc c'est une approche très intéressante, qui est envisagée aussi dans d'autres pathologies, la dépression, l'épilepsie, les troubles du sommeil, le stress post-traumatique, etc. On avait créé en 2012 une start-up qui s'appelle Mencia Technologies, qui vendait le système Koala pour les enfants qui souffrent de déficit attentionnel. La société a été rachetée par MyBrain Technologies qui va continuer de vendre le produit pour ceux qui sont intéressés. Et aujourd'hui, sur ces technologies-là, la suite, c'est le projet Hémisphère. Donc, c'est un projet qu'on a démarré il y a déjà plusieurs années, qui va nous emmener encore pendant de nombreuses années, j'imagine, toujours sur cette idée de rééduquer le cerveau, de lui redonner des clés pour arriver à développer ou reprendre le contrôle de certaines activités cérébrales. Ici, c'est dans le contexte des accidents vasculaires cérébraux, où vous avez, par exemple, des gens qui, suite à un AVC, ont conservé des séquelles, gardent des séquelles, ont des déficiences motrices, et on va essayer, avec ces technologies, de les aider à retrouver une certaine activité cérébrale dans les aires motrices autour de la zone lésée ou en rapport avec la zone lésée. Donc c'est le but du projet Hémisphère, ici, pour l'AVC et aussi pour la dépression avec les collègues psychiatres du CHGR et puis pour le CHU, pour l'AVC. Donc c'est vraiment une collaboration rennaise entre des laboratoires informatiques, l'INSERM et puis le CHU de Rennes. C'est un projet qui est quasi unique au monde, hein, il y a très très peu de labos qui bossent sur cette question-là. Là, en l'occurrence, vous voyez la séquence où la personne équipée du casque à électrode rentre dans l'IRM du CHU, donc l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Vous êtes peut-être déjà allé dans une IRM pour faire un scanner. Donc là, on va utiliser les deux informations, l'IRM et l'EEG, ces deux techniques ensemble, pour vous donner plus d'informations, pour retrouver peut-être un petit peu plus précisément le contrôle de votre cerveau et redévelopper votre activité cérébrale. Et là, vous voyez ici ce qui se passe lorsque vous essayez de contrôler avec un neurofeedback. Je vous montre le petit visuel du neurofeedback ici. Vous avez cette petite jauge qui monte et qui descend. Il faut emmener la petite balle comme un jeu de fléchettes tout en haut. Quand elle part à droite, c'est que vous contrôlez bien votre EEG, électroencéphalographie. Quand elle part à gauche, vous contrôlez bien votre IRM. Et quand elle part au milieu, c'est que vous maîtrisez les deux neuromarqueurs et que vous arrivez à booster votre activité cérébrale en provenance des deux capteurs. Et donc, vous êtes en train de bien booster votre activité cérébrale, notamment dans les zones motrices. Et on voit que quand on a ce retour-là, on arrive à bien développer une activité cérébrale lorsqu'on a IRM plus EEG par rapport à la situation où on a juste de l'IRM ou juste de l'EEG.
Quelques chiffres sur cette étude qui a démarré il y a un petit peu plus d'un an, qui va nous emmener encore pendant une année, qui mobilise énormément de monde au CHU, quasiment une journée par semaine l'IRM est mobilisé pour cette étude, et qui permettra de savoir dans un an, est-ce que le neurofeedback permet effectivement d'amener quelque chose, d'apporter quelque chose à ces patients qui ont connu un AVC et qui vont peut-être, grâce à ces technologies-là, retrouver un petit peu de mobilité et améliorer leur score et leur qualité de vie. Voilà qui conclut un petit peu, il reste 2-3 slides, hein, cette présentation sur cerveau et technologie. On a vu comment augmenter son cerveau, comment charmer son cerveau avec les technologies, agir avec et sur son cerveau, et parfois même guérir son cerveau grâce aux technologies. Et alors après, si on se projette un peu après, même si j'aime pas trop cette question, qui peut paraître un petit peu divinatoire par certains moments, mais peut-être que ce qui va arriver dans les années qui viennent, ce seront des technologies un peu hybrides comme ça. On va avoir ici, par exemple, un casque de réalité virtuelle combiné à un casque à électrodes. Donc ces premiers systèmes hybrides qui mélangent les deux technologies sont disponibles, on commence à les trouver. Et derrière, il y a cette idée d'avoir des thérapies digitales du cerveau qui permettent de mettre en situation réalité virtuelle et de travailler des neuromarqueurs ou d'avoir accès à des techniques de neuroimagerie. Voilà, si ça vous intéresse pour continuer plusieurs ouvrages, n'hésitez pas à aller jeter un œil au traité de la réalité virtuelle qui date un petit peu, mais qui est un ouvrage, une vraie encyclopédie sur la réalité virtuelle gratuit pour les étudiants. Un livre plus récent sur la réalité virtuelle et réalité augmentée, Mythes et réalités, qui est sorti il y a un an. Et donc mon ouvrage qui est sorti, qui là pour le coup n'est pas un ouvrage très technique, c'est un ouvrage vraiment grand public, sur le cerveau super-héros dont on vient de parler. Pour finir, je vais revenir à mon inspiration. Quand même, je boucle la boucle avec un tout dernier projet qui, quelque part, m'a permis de réaliser un rêve de gamin. Parce que quand même, ça traînait dans un coin de ma tête, cette scène de la guerre des étoiles que vous avez vue au début, où il y a Luke Skywalker qui essaye de soulever le vaisseau spatial et qui n'y arrive pas. Et donc, on a recréé dans Immersia la séquence de la guerre des étoiles, de Virtual Dagobah, où vous avez la possibilité de vous entraîner et de tester la force, donc cette capacité de télékinésie en soulevant le vaisseau spatial, avec un son spatialisé, des effets spéciaux, une image 3D, et puis un casque à électrodes sans fil, 16 électrodes sans fil, pour pouvoir vous concentrer et essayer de soulever le vaisseau spatial. Et ainsi, vous pouvez voir si vous êtes un Jedi. Ce que je ne suis pas, parce que moi, je n'ai pas réussi à soulever le vaisseau spatial, mais je vais réessayer, et je ne désespère pas. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Anatole Lécuyer. C'est vrai que c'est un super-héros, notre cerveau, parce qu'avec tout ce que vous lui faites subir, là, parce que d'accord, vous le charmez, etc., mais vous le trompez surtout, vous le manipulez un peu, non ? Bah, je crois qu'il y a vraiment deux volets. Il y a ce volet réalité virtuelle où on essaye de... Mais je pense que les gens sont consentants. C'est-à-dire, s'ils mettent le casque, c'est qu'ils ont vraiment envie de vivre cette expérience-là. Et puis qu'il y a des applications derrière qui sont très sérieuses dans le domaine de la formation, de la thérapie, où on essaye vraiment de leur proposer une situation qui soit réaliste et dans laquelle ils vont croire. Donc là, effectivement, alors on peut appeler ça de la tromperie. Ou de la, mais on essaye surtout de les charmer. Moi, j'appelle ça vraiment, c'est plutôt de l'illusion. Et comme des magiciens, on essaye de leur faire croire qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, dans une autre réalité. Et puis, il y a le deuxième volet, où là, on n'est pas en train d'essayer de charmer les gens avec ces interfaces neuronales, mais vraiment essayer de leur donner un contrôle sur leur activité cérébrale avec des applications très diverses, comme on a vu ici. Ça peut être du jeu vidéo, mais ça peut être aussi des applications médicales très poussées. Très importantes et très poussées. Mais le fait que vous le définissez comme un super-héros, c'est quoi ? C'est cette capacité qu'il a, ce cerveau, à s'adapter à des tas de circonstances, c'est ça ? Oui, il y avait un clin d'œil quand même dans ce titre aux références de science-fiction et puis à tout l'imaginaire collectif qu'on partage peut-être dans cette salle avec certains.
sur toutes ces références qui ne sont pas les seules hein, que j'aime et qui en tout cas étaient présentes dans l'imaginaire collectif des super-héros que moi j'ai lus quand j'étais gamin, des revues comme Strange ou des choses comme ça que je lisais à l'époque. Et donc il y avait ce clin d'œil-là à cette référence un petit peu pop culture. Et puis il y avait cette idée qu'effectivement on allait révéler des capacités insoupçonnées du cerveau dans cet ouvrage, des pouvoirs qu'on a, le pouvoir de reprendre le contrôle sur son cerveau, certains pouvoirs imaginaires en réalité virtuelle, celui d'avoir des super pouvoirs, de voir à travers les objets, de pouvoir se projeter très vite dans Vous dites dans même des univers, dans le etc. livre à un moment que certains handicaps peuvent devenir des opportunités, par exemple. Vous utilisez cette phrase à un moment. Oui, c'est la situation de réalité virtuelle est assez paradoxale parce que vous êtes avec un casque de réalité virtuelle, vous avez souvent un effet waouh. Mais en fait, si vous faites un petit peu attention, vous allez réaliser que, parce que vous êtes dans un univers magique, merveilleux, etc., mais si vous faites un peu attention, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque en fait pas mal de choses, pas mal de capacités sensorielles. Souvent, il y a l'image qui est très jolie, mais vous n'avez pas la possibilité de toucher les objets, vous ne pouvez quasiment pas bouger, il vous manque l'odeur, le goût, le mouvement, plein de sens. Et donc, vous êtes en situation de privation sensorielle, paradoxalement, dans cet univers-là. Donc, c'est une situation paradoxale. Néanmoins, elle permet aussi, la réalité virtuelle, de sensibiliser les gens à la question du handicap aussi. Il y a des applications qui, en réalité virtuelle, permettent de prendre conscience des difficultés qu'on a lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on est très âgé, lorsqu'on a d'autres types de problèmes. Et donc, la réalité virtuelle peut être un moyen de faire vivre le handicap, par exemple, ou de faire prendre conscience du handicap. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Oh non, c'est bon. Entrez. Je vous l'avais dit, qu'il y aurait la question d'André. J'étais prévenu, je vais avoir une question d'André. Donc si vous avez des questions à poser là-haut, vous me faites signe aussi. Hein, bien sûr, on vous donne le micro. Donc, André, première question, on vous donne la parole. Oui, merci pour cette technologie... On est fiers, hein, virtuel, oui, oui, ou réel, tout dépend de quel côté on se place. Oui. Moi, je voulais savoir, qu'en est-il des sensations du toucher quand on a des mains artificielles comme ça, des prothèses comme ça, est-ce qu'on peut recréer la sensation au bout des doigts avec une espèce de peau artificielle pour redonner la sensation du toucher ? Alors, merci pour la question. Nous, on ne travaille vraiment pas sur cette technologie de peau artificielle, notamment pour les grands brûlés. Donc, je ne peux pas vous répondre en détail, malheureusement, par rapport à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les technologies qu'on a actuellement, dans les laboratoires en développement, alors pas que dans notre laboratoire, bien sûr, il y a plein de laboratoires qui travaillent sur cette question-là, ce sont des technologies qui vont essayer d'aller adresser des sensations tactiles parfois assez précises. Donc, ça peut être le retour thermique, ça peut être la rugosité de quelque chose, ça peut être la vibration, ça peut être le contact et la pression. Et on voit qu'il y a une gamme de sensations tactiles extrêmement large et que si on veut les simuler, il faut autant d'actionneurs et de technologies. Donc le vrai défi aujourd'hui, c'est d'arriver à intégrer toutes ces technologies pour simuler la richesse d'une expérience tactile comme celle-ci, là, où je vais avoir le froid, le lisse, la dureté, des vibrations et des contacts très très riches, et je sais identifier que là c'est une table avec tel type de matériaux. Mais aujourd'hui on est très très loin de ça, et il y a un vrai défi d'intégration de toutes ces technologies ensemble. C'est un sujet sur lequel on travaille effectivement dans le laboratoire. Une autre question ? Oui, on vous donne le micro. Merci. Merci. Merci infiniment pour cette présentation passionnante. Je voulais vous poser une question au sujet des rêves lucides. Est-ce que ça a été ou c'est au cœur de vos analyses de savoir si les aires qui sont sollicitées à ces moments-là sont par exemple les mêmes quand on est conscient et qu'on pose des problèmes ou des idées d'imagination ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Merci beaucoup pour la question. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que là, on est vraiment en dehors de mon sujet. Ce que je trouve intéressant dans votre question, c'est ce que ça a évoqué aussi chez vous, c'est ce rapport avec le rêve, avec un monde onirique. Et on voit bien que la réalité virtuelle, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vais vous répondre, mais je réponds à côté, hein, et je l'assume complètement, c'est vraiment pas mon domaine pour le coup les rêves lucides. Mais en tout cas ce que ça évoque, c'est effectivement un univers un petit peu onirique, un petit peu différent, où plein de choses sont possibles, et c'est un terrain de jeu très très fertile. Maintenant sur les rêves lucides, non malheureusement là ça je saurais pas vous répondre.
Je ne suis pas un expert en neurophysiologie, en neurosciences, sur cette question-là. Désolé. Non, mais il faut savoir dire que vous ne pouvez pas répondre. Alors, une question ici, s'il te plaît. Il y a une question ici. Et puis, une autre question un peu plus haut. Oui, si tu veux bien aller, Pascal, merci. Oui, est-ce que vous avez travaillé déjà ou vous envisagez de travailler avec l'Institut de neurologie clinique de Rennes, de Marc Vérin? Alors, il faudra lui poser la question aussi. Mais, non, on s'est déjà rencontrés, on se connaît. On n'a pas de collaboration active en ce moment. Ce sera peut-être le cas. L'avenir nous le dira. On a pas mal de collaborations avec le CHU, pas encore avec Marc Vérin. Une autre question? Bonsoir. Où êtes-vous? Ah oui, je suis là. Là-bas. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être intelligent quand je vous écoute, parce que c'est très clair quand vous vous exprimez. Merci beaucoup. Et votre cerveau est un super-héros. J'ai l'impression que on le vit directement. Vous avez mesuré, enfin en tout cas étudié les effets bénéfiques de la réalité virtuelle pour aller travailler sur son cerveau, essayer de maîtriser les choses. Est-ce que vous avez pu mesurer les éventuels effets négatifs du retour à la réalité, par exemple, après une vie virtuelle? Ou sur des destructions de neuronales liées à l'usage de ces technologies? C'est une très bonne question, hein, mais alors on n'a vraiment pas d'éléments pour répondre à ça aujourd'hui. On manque vraiment d'études longitudinales, c'est-à-dire sur des effets prolongés de la réalité virtuelle. Ça nous intéresse beaucoup. Il y a des études qui commencent, qui démarrent dans certains labos sur ces questions-là. C'est des grandes campagnes expérimentales, hein. Il faut considérer que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Donc on ne peut pas répondre. Par contre, les effets donc négatifs, donc il y en a certains, j'en ai mentionné certains, là, sur les biais de perception et sur le mal des simulateurs, où là on constate aussi les dégâts et on essaye de trouver des solutions et on a des idées dans le labo aussi pour avancer là-dessus. Une autre question? Oui, pardon. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de deux thèmes essentiellement sur les activités du cerveau. Ce sont des problèmes moteurs, d'une part, et d'autre part, sur des problèmes de sensitifs. Mais vous parliez à la fin de votre exposé des problèmes d'AVC. Est-ce que vous avez étudié ou remarqué certains phénomènes entre justement ce qu'on peut ressentir et ce qu'on est capable de faire d'un point de vue moteur? Vous avez fait beaucoup d'expériences ou de démonstrations sur le leurre du cerveau, avec des plumes sur un sixième doigt, etc. Mais le cerveau peut lui-même se leurrer, par exemple avec des douleurs neuropathiques. Est-ce que vous avez trouvé des trucs ou est-ce qu'il y a des pistes sur l'interférence entre des douleurs neuropathiques et des problèmes moteurs? Alors là, je ne peux pas vous répondre à nouveau, je suis désolé. Hein. La question est excellente. C'est, c'est compliqué parce qu'on est à l'interface, oui, de plusieurs spécialités. Voilà, et donc là, je vais avoir ma posture de scientifique qui va du coup dire que ce n'est pas son domaine et que du coup, il va avoir un petit peu de mal à vous répondre. Par contre, néanmoins, à Rennes, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire dans le projet Hémisphère, on a vraiment beaucoup de pistes devant nous qui s'ouvrent. Et on essaye quand même avec Isabelle Bonan, qui est PUPH au CHU de Rennes en MPR, donc en médecine physique et réadaptation, on essaye quand même d'aller assez loin sur les systèmes de bouclage et les systèmes d'activation dans le cerveau sur ces techniques de neurofeedback. On va essayer de proposer maintenant aussi des stimulations tactiles au sujet, donc pas que du visuel, pas que cette jauge qui monte et qui descend. On va essayer de renvoyer des sensations tactiles lorsque la personne active les bonnes aires motrices, on va lui renvoyer une sensation tactile de manière à fermer la boucle sensorimotrice et espérer activer d'autres types de boucles et d'activités cérébrales. Donc on va essayer d'introduire ça dans l'IRM maintenant, c'est un vrai défi aussi parce qu'il faut avoir des vibreurs, des systèmes tactiles qui sont compatibles avec l'IRM, mais voilà d'autres types d'activités qu'on va essayer de lancer. Voilà des éléments de réponse mais qui ne répondent pas à tout ce que vous m'avez demandé. Alors il y a une question à la mezzanine. Oui, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais revenir sur votre projet, notamment Space Invader, où vous parlez de déplacer en regardant des ailes qui clignotent. Alors tout d'abord, moi, instinctivement, je penserais qu'il y aurait une fatigue visuelle, mais est-ce qu'il y a aussi une fatigue du cerveau? Est-ce que penser justement à déplacer des objets par la pensée, ça fatigue le cerveau? Et est-ce qu'on peut, tel un muscle, réduire cette fatigue à force de pratiquer? Alors c'est une très, très bonne question, merci beaucoup. Oui, effectivement, regarder un truc qui clignote longtemps, c'est pas agréable, et puis c'est fatigant.
Donc là, tout à fait. Hein. Donc maintenant, on essaye de trouver des techniques pour que ce soit moins fatigant et moins inconfortable. Donc par exemple, avec des stimulations qui sont un petit peu intégrées à la scène. Donc par exemple, des ailes de papillon qui battraient ou un ventilateur qui tourne, ce serait peut-être un petit peu moins gênant à regarder qu'un objet qui clignote. Pourtant, on retrouvera la fréquence aussi, et du coup, on devrait observer ces phénomènes dans le cerveau aussi. Donc on a regardé ce genre de choses. Et puis, est-ce qu'avec la pratique, on devient meilleur ? Oui, en général, avec la pratique, on devient meilleur avec les interfaces cerveau-machine. L'apprentissage, et surtout la motivation et l'engagement, il faut garder la motivation dans cet apprentissage, fait qu'on s'améliore. Alors, il y a des passages où il y a parfois des baisses de régime, mais oui, en général, l'apprentissage permet de devenir meilleur. Est-ce que ça devient plus confortable pour autant ? Pas forcément. Ce qui est intéressant sur l'imagination de mouvement, par exemple, c'est que ça peut devenir, pour certaines personnes, assez transparent. C'est-à-dire que dans la tâche du jeu vidéo où, pour envoyer la balle à gauche, il faut imaginer un mouvement de la main gauche, ça peut être un petit peu curieux pour certaines personnes, et moi je le conçois en tout cas pour moi, de devoir imaginer un mouvement de la main gauche pour envoyer une balle. J'aurais plutôt envie de pousser la balle ou de déplacer la balle, etc. Mais au bout d'un certain temps, d'après ce que j'entends des études et puis des collègues qui travaillent en imagination de mouvement, quand ça marche bien, les gens, au bout d'un moment, ne sont plus en train d'imaginer un mouvement de leur main gauche, mais ils décident juste d'envoyer la balle à gauche et ça marche. Ça ne marche pas avec tout le monde, hein, mais avec ceux avec qui ça marche, ça peut devenir transparent. Il y avait une autre question, allez-y, je vous en prie. Bonsoir, merci pour votre sujet. Il me semble que vous avez parlé des phobies avec un casque, je crois, pour être confronté aux phobies même. Et j'aurais été intéressée et savoir s'il y avait ce type de service à Rennes, en fait, parce que je suis claustrophobe et je n'arrive pas à trouver de solution pour reprendre les ascenseurs, quoi. Oui, il existe des thérapies tout à fait en réalité virtuelle, TCC, sans doute pour la claustrophobie, ça je ne sais pas en détail. Alors, je ne peux pas vous répondre pour ce qui est de est-ce que ça existe à Rennes avec qui. Il me semble, je ne peux pas vous aiguiller, mais par contre il faut vous renseigner parce que, en tout cas, des entreprises aujourd'hui vraiment commercialisent des systèmes clés en main de réalité virtuelle pour les TCC, avec un grand nombre de phobies qui sont traitées, et je serais surpris qu'il n'y ait pas la claustrophobie, mais il faudrait regarder. Et ces sociétés les vendent à des médecins qui ensuite proposent des thérapies basées sur ces technologies-là. Donc il faut trouver les médecins qui pratiquent ce genre de séances de TCC basées sur la réalité virtuelle. D'accord. Il y en a, en France, il commence à y en avoir de plus en plus. Je ne sais pas si à Rennes il y en a. Est-ce que quelqu'un sait, dans la salle ? Elle est kiné aussi, ouais. Oui, il y en ça a à Rennes existe. Bon, eh ben, il faudra venir au premier rang pour poser la question à Diane. Ok, ben, merci beaucoup. Oui, une question ici et après on vient vers vous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci. Comment tout à l'heure vous évoquiez, lors des soins par rapport aux AVC, de réactiver des zones du cerveau. Donc on parle de zones du coup, qui ont déjà été actives auparavant, je suppose. Est-ce que à terme, ce serait possible de pouvoir utiliser des parties du cerveau qu'on n'utilise pas encore ? Je sais que tout le cerveau n'est pas utilisé. Est-ce que ce serait possible de développer l'utilisation de ces parties-là ? C'est une excellente question. Ça fait partie des idées qu'on a aussi. Alors, on n'est pas les seuls, hein, au niveau international aussi. Donc, c'est vraiment une piste de recherche en cours, complètement. Hein. Donc, c'est est-ce qu'on peut, du coup, avec ces techniques de neurofeedback, quelle est la zone qu'il faut essayer d'entraîner ? Est-ce qu'il faut effectivement essayer d'être près de la lésion ? Ou est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher ailleurs et de voir si on peut jouer sur la plasticité cérébrale pour essayer de booster d'autres zones ? C'est une vraie question, une belle question de recherche. C'est compliqué, ces protocoles-là, parce que ensuite, pour faire les manips, c'est des manips cliniques, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement en temps humain, aussi bien de la part des médecins que des patients. Donc on ne peut pas avancer très vite sur ces questions-là, malheureusement. Mais ce sont des questions très actuelles. Alors, une autre question ici, monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut espérer du projet Hémisphère qu'il répare les défaillances de la mémoire à court terme par une stimulation peut-être plus importante des cellules de l'hippocampe ? C'est une bonne question aussi. Alors, dans le projet Hémisphère, à l'heure actuelle, on s'est concentré sur deux types de pathologies. Donc pas les pathologies liées à la mémoire ou des problèmes de déficience de mémoire,
malheureusement. Donc on n'aura pas la réponse à cette question-là. Peut-être que d'autres groupes dans le monde se posent la question à ce moment. Le neurofeedback, ça va vraiment très très vite. Il y a beaucoup de groupes qui s'intéressent à ça. Nous, on s'est plutôt focalisé à l'heure actuelle sur la problématique de l'AVC et la problématique de la dépression sévère. Donc c'est plutôt ça sur lequel on va travailler. Assez vite d'ailleurs, hein, les protocoles sont en cours. On va commencer à faire nos premiers essais aussi cette année sur la dépression. Et on verra si, avec le neurofeedback, on peut aussi essayer d'améliorer la situation des patients qui vivent des dépressions sévères dont ils n'arrivent pas à sortir. Alors, oui, monsieur, allez-y. Allez-y. Oui, bonsoir et merci. Moi, je voulais avoir votre avis sur la capacité de l'EEG de surface à fournir suffisamment d'informations pour vraiment faire des interfaces cerveau-machine efficaces. Ou est-ce qu'à un moment, les solutions ne vont pas être dans l'implantation d'un device à l'intérieur du cerveau comme une société américaine a commencé à développer ? Oui, très bonne question également. Hein. Question qui agite la communauté scientifique, tout le monde, hein, on se pose tous cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'EEG de surface qui est si bruité ? Parce que ces courants électriques arrivent au microvolt, donc 10 puissance moins 6 volts, bruités par plein de choses avant d'arriver à la surface. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire avec des signaux EEG ? Mais là, c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire. Nous, on continue à utiliser ça parce que c'est quand même la technique la moins invasive et la plus facile aujourd'hui à répandre et à utiliser de manière massive. Par contre, le projet Hémisphère, c'est une piste justement pour voir ce qu'on peut faire lorsqu'on a des techniques de réimagerie beaucoup plus précises que l'EEG. Et l'intérêt dans Hémisphère, c'est aussi de pouvoir tester des choses lorsqu'on a les deux technologies pour pouvoir ensuite, à partir de l'information très précise de l'IRM, apprendre des choses sur le patient et personnaliser ensuite l'usage de l'EEG de surface dans un usage à la maison, au quotidien, dans une pratique plus quotidienne avec une technologie qui est un petit peu moins complexe que l'IRM. Donc c'est plutôt des approches comme ça, on va mélanger des technologies très complexes mais plus coûteuses avec des technologies qui sont peut-être un petit peu moins précises et moins coûteuses, mais c'est de tirer le meilleur des deux mondes et d'enrichir l'information un petit peu débruitée avec de l'information précise. Voilà, je voulais aussi qu'on revienne juste un moment sur votre livre, qui est un peu différent quand même de ce que, même si on y retrouve certaines des expériences qui sont menées et que vous nous avez montrées dans cette conférence. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans votre livre, et comme vous le disiez, qui s'adresse vraiment au grand public, qui est à la portée de tous, c'est qu'on voit aussi la recherche en train de se faire, l'itinéraire, votre itinéraire, vos choix. Des choix, par exemple, à un moment, de quitter votre laboratoire rennais pour aller au Collège de France pendant un temps et vous rapprocher d'autres spécialistes, d'autres spécialités, j'allais dire. C'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Ben oui, c'est un des vrais avantages de ce métier, un des rares peut-être avantages de ce métier aussi, un des nombreux avantages de ce métier, où on va pouvoir partir en exploration soi-même, à l'exploration des autres pratiques de la recherche, voilà, et des autres domaines. Alors ça peut être des mobilités thématiques, oui, comme au Collège de France, où moi j'étais allé voir des spécialistes des neurosciences pour voir comment effectivement on travaille dans ces labos-là, avec les méthodes, les protocoles, Brézo, avec Alain Berthoz, effectivement, Berthoz, au Collège de France. Et puis ensuite, des mobilités géographiques aussi, puisque culturellement, on ne pratique pas la recherche de la même manière. Et dans d'autres pays, dans d'autres labos, on n'a pas du tout les mêmes habitudes d'organisation et de pratiques scientifiques. Donc c'est intéressant aussi d'aller découvrir ça. Donc moi, j'étais parti au Japon pendant quelques temps aussi. Ah oui, alors il y a un épisode très drôle. Oui, mais alors il ne faut pas spammer l'audience. Non, on ne va pas le dire. Où je me mets vraiment à nu dans tous les sens du terme, dans ce livre. Oui. Absolument. Et donc, j'ai vraiment teasé l'audience. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment la recherche se fait là-bas aussi, les volumes d'horaires de travail, le volume des horaires, ouais, de travail est absolument... Et puis quand même, cette... Alors, en même temps, c'est très hiérarchisé, vous le dites, puis en même temps, c'est assez débridé, c'est-à-dire qu'on laisse quand même place beaucoup à l'imagination et... C'est vrai ? Oui, c'était une expérience nippone. Mais alors, bon, en ce qui me concerne, c'est vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, parce que c'était un laboratoire
Donc j'imagine que les autres laboratoires fonctionnent différemment, mais en tout cas dans celui-là, moi j'avais découvert effectivement une pratique de la recherche qui était beaucoup plus libre et créative que ce qu'on peut avoir dans certains laboratoires français, où on réfléchissait toujours aux applications, à quoi ça sert. La question, je l'ai souvent hein, quand même, quand je présente oui. mon FlyViz notamment, je suis surpris ce soir, mais c'est normal, c'était le premier transparent, souvent on dit, à quoi ça sert votre FlyViz, là, le truc qui sert à voir à 360, c'est quoi l'intérêt? Et donc souvent on nous pose cette question-là, et quand j'ai posé moi cette question au Japon, parce que je voyais des projets qui étaient tous plus farfelus les uns que les autres. À un moment, je n'ai pas pu m'empêcher, je leur ai dit, mais à quoi ça sert votre truc là? Et là, le prof japonais m'a regardé, il n'a pas compris la question. Et il m'a dit, mais enfin, la recherche, c'est fait pour faire rêver les gens. Ah, je me suis dit qu'effectivement, on n'avait pas la même manière de voir les choses, mais par contre, j'ai pris une grande leçon ce jour-là, et je le dirai aux étudiants la prochaine fois qu'ils me posent la question. Dans votre laboratoire, vous nous avez dit qu'il y avait à peu près une quarantaine de personnes. Oui, dans l'équipe, on est 40, dont 17 doctorants. Ouais. Oui. Et donc, c'est une grosse équipe de recherche. Comment ça se passe? Chacun arrive avec ses idées ou vous, comment ça, j'essaye d'imaginer comment ça peut se passer. C'est difficile de résumer l'organisation. Il faudra leur demander. Il y en a quelques-uns qui sont venus, ils sont sympas. Alors, on va leur tendre le micro. Mais non, ce qui est assez intéressant, chaque relation est unique. Enfin, on peut pas tirer de grandes généralités. On travaille en équipe. Les discussions, le principe de la discussion scientifique, c'est vraiment qu'il y a une richesse de l'échange, une écoute mutuelle et puis un échange. Et c'est vraiment important pour laisser justement libre cours à la créativité. Ça se fait de manière rigoureuse avec de la méthode. Moi, ce que je trouve original dans notre équipe par rapport à d'autres équipes, c'est que quand vous vous baladez dans notre couloir et que vous regardez subrepticement par la porte, vous voyez des gens avec des casques de réalité virtuelle en train de faire des grands gestes bizarres, d'autres avec des casques à électrodes très concentrés sur un écran. Ensuite, on bascule sur les interfaces à retour d'effort, on voit des machins robotiques qui bougent et puis des trucs qui vibrent, qui font du bruit. Et en fait, c'est un laboratoire, l'impression d'être dans un vaisseau spatial avec des passagers, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont en train de faire, mais on respecte ce qui est en train de se passer, et puis on a l'impression de participer à un voyage étonnant, quoi. Eh ben, merci pour ce voyage que vous nous avez proposé ce soir. Moi, je vous invite à aller feuilleter le livre et à aller discuter avec Anatole Lécuyer à l'étage au-dessus. Le livre est vraiment, je vous le disais, passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette conférence. Merci. Merci à vous.